volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ah, je ne sais pas, Marie. La vérité, c'est que je ne veux pas retourner travailler chez Wild Textile. Je sens que j'ai atteint ma limite là-bas. Je n'en peux plus. C'est fini, je te jure. Je n'en peux plus. C'est fini. Je sais, Tony, mais Lina compte sur toi. Je ne sais pas. Écoute, pour être honnête avec toi, Marie, et je dois avouer aussi, tu sais, la vérité, c'est que quand j'ai quitté Wild Textile, j'ai quitté cette entreprise parce que je me sentais comme... comme si j'étais refoulé, j'étais une statue comme ça. Et tu vois ce que je veux dire? Il ne se passait rien là-bas. Et d'ailleurs, il n'y avait pas un environnement propice qui me convenait pour la conception, la création, tu comprends? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, sans que je le veuille, j'ai commencé à me répéter dans mes propositions, tu vois? Tout était presque le même et il n'y avait aucun moyen de me réinventer. Et tu sais que c'est une erreur fatale pour nous les artistes, ma chérie, c'est la mort. Ce n'est rien de plus que le baiser de la mort. Si. D'un autre côté, je viens ici et tout commence à bouger, tu vois? Tout a un sens. Je commence à devenir créatif à nouveau parce que toi et moi, c'est génial, nous nous comprenons pleinement, Marie. Oui, Tony, mais pour te dire la vérité, je ne veux pas gâcher les plans que Lina a pour toi chez Wild Textile. Non, 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 moi non plus. Moi non plus, j'adore Lina, tu sais que nous sommes les meilleurs amis du monde. Et j'avoue même que je lui dois beaucoup, mais tu vois, Marie, en ce moment, notre priorité, et je dois dire surtout la mienne, c'est vraiment de finir cette collection que nous avons commencée ensemble. Tu comprends? C'est incroyable, je te jure, je sens que j'ai trouvé en toi une force et une énergie comme un tourbillon qui m'attire comme ça. Tu sais ce que je veux dire? Et maintenant, c'est beaucoup plus intense et personnellement, j'ai le sentiment que nous sommes à présent sur la bonne voie et que quelque chose de très important va nous arriver dans un proche avenir. En d'autres mots, ma chérie, la décision a été prise, il n'y a plus de retour en arrière à faire parce que tout simplement, j'ai plongé. Chut, je reste travailler chez Béatrice Durand. Ah, désolé. Bien sûr, sauf si tu es toujours intéressée à me faire travailler avec toi à l'atelier. Eh bien, pour être franche avec toi, bien sûr que je veux que tu travailles ici avec moi, pourquoi pas? Ah, voilà pourquoi je t'adore, Marie. J'ai déjà pris ma décision et je ne reviendrai pas dessus. J'y suis, j'y reste. Car comme le dit la chanson que tu connais, je suis pas fou, non, 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 je suis pas bête, non, non, non. Et si tu me dupes, alors je vais sortir mes griffes comme un tigre. Ah, jamais de la vie, je n'oserais te faire ça. Je suis si heureux. Alors, tu es le nouveau président de Wild Textile. Comme tu peux le voir, Adri, hein? Bien. Et pourquoi Roberto se retire-t-il? En fait, parce que Roberto et Lina ne s'entendent pas bien. Et que l'administration de l'entreprise se trouve dans un état critique. Dans ce cas, pour la sauver, ils ont nommé un nouveau président. Une personne en qui ils ont tous les deux confiance. Sans doute, Miguel Angel, mais tu es un photographe. Tu n'as jamais travaillé en tant que directeur et... Je pense vraiment que tu t'es mis dans de sérieux problèmes. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ne le dis à personne, d'accord? Et je vais te dire quelque chose. Je veux vraiment faire du bon travail. Bien. Bon, si tu as besoin de quelque chose, tu peux compter sur moi. Merci, Adri. Adri, assieds-toi. Merci. Je sais que toi et moi avons une relation, non? Ou du moins, nous avons eu une relation. Nous allons avoir un fils. Mais je ne veux surtout pas que cela soit mal interprété par les autres. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, eh bien, si je veux vraiment faire un excellent travail ici dans l'entreprise et faire en sorte que les employés se respectent, et je ne veux pas que, à cause du fait que nous allons avoir un enfant ensemble, les autres pensent que je vais te donner un traitement de faveur. Miguel Angel, je ne suis pas en train de te demander un traitement spécial. Oui, en fait, je voulais juste que tu saches... Tu calmes, détends-toi, monsieur le président. Je sais très bien où est ma place. Ah, Adri, je ne voulais pas que tu sois offensé, j'ai... Mais alors, tu n'aurais pas dû dire quoi que ce soit. Puis-je me retirer? Oui, bien sûr, tu peux te retirer. Merci. Excusez-moi, monsieur le président.
Je le répète pour la énième fois. Et je t'assure que traîner avec ces gens-là ne t'apportera que des problèmes. Mais papa, attends. Attends une minute, si réellement tu as déjà remis la preuve au procureur, alors ce n'est plus un secret. Mais vas-y, dis-le-moi de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que Roberto t'a envoyé pour enquêter? Il est vraiment sans gêne. Attends. Est-ce que tu peux arrêter d'être aussi malveillant? D'accord, je t'en prie. Et juste prends un petit moment. Écoute, tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu oublies pendant une minute. Une minute ton passé avec ta première femme et Gonzalo. Et s'il te plaît, dis-moi en toute honnêteté. Tu en es sûre et certaine que Gonzalo White a acheté ces machines sachant qu'elles étaient de la contrebande? Bien sûr! Ruben, le gars qui a vendu les machines à coudre à Gonzalo m'a dit que le vieux White savait que c'était de la contrebande. Mais Ruben, c'est bien le contrebandier, non? Oui, c'est bien l'associé de Gonzalo dans ce gros délit. D'accord, où as-tu trouvé les preuves que tu les as remis? C'est Ruben qui me l'a donné. Papa, tu es sûr que ce document est authentique? Ce n'est pas du tout mon problème. J'ai reçu ce document, je l'ai remis au procureur. C'est à eux de déterminer si c'était authentique maintenant. Si ce n'est pas le cas, alors je ne peux rien y faire. Écoute. Papa, il y a quelque chose que tu me caches? Moi? Voyons. Papa, si tu penses qu'il y a une quelconque possibilité, une chance aussi mince soit-elle, que Gonzalo White soit innocent, alors dis-le-moi. Mais tu doutes de moi? Non. Attends, allons, papa. Papa, attends. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai un truc à te dire. Si Gonzalo White mérite d'aller en prison, c'est parfait. C'est parfait parce qu'il doit payer pour ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, hein? Et s'il est vraiment innocent, papa, tu ne peux pas permettre qu'il soit injustement puni, ça non, monsieur. Écoute, papa, je sais que tu as vraiment beaucoup de défauts. Comme nous tous, d'ailleurs, mais tu as toujours été, toute notre vie, un homme très honnête. Et c'est quelque chose que Mariana et moi nous apprécions, papa. Ton honnêteté. S'il te plaît, ne renonce pas à ça pour les choses du passé, d'accord? Parce que c'est simplement la meilleure partie de toi. Dis-moi, mon petit vieux, est-ce que ce document est authentique? Tout ce que nous avons à faire, c'est de retirer les affaires de Gonzalo et de mettre les tiens. Tu ne penses pas que c'est un peu tôt pour disposer du bureau de Gonzalo? Non, pas du tout. Gonzalo est en prison et je pense qu'il sera là-bas pour un moment. Oui, mais il est toujours le président de la Fondation White, non? Oui, mais nous allons bientôt fermer la Fondation. Pourquoi? Voyons, Miguelito, il s'agit d'une société et non d'une organisation caritative. Et nous devrions laisser le travail social au gouvernement, car nous sommes ici pour gagner de l'argent. En tant que président, tu devrais le savoir, Miguel Angel. Bon, quelle couleur tu aimerais peindre les murs? J'aime bien cette couleur, je trouve que c'est sympa. Lina, est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? Vas-y. Oui, mais en privé. Allons dans mon bureau. Ah, mon Fertio, je pense que tu vas devoir finir d'organiser ton bureau tout seul. Ce que tu as fait, ça s'appelle une falsification de documents. Tu pourrais aller en prison pour ça. Non, ma chérie, je n'ai absolument rien falsifié. Je t'assure que c'était bel et bien la signature de Gonzalo. La signature est authentique. Non, mais c'est... Est-ce que tu es en train de me dire que c'est toi qui as falsifié le contenu de ce document? Cette feuille était vide à l'exception de la signature de Gonzalo. Et alors? J'ai seulement collaboré avec la justice. Ils avaient besoin de preuves pour que ce bandit puisse enfin payer. Et si je n'avais rien fait, il n'aurait jamais été... Non, monsieur. Non, monsieur. Ce que tu as fait n'était pas bien. Ce n'était pas correct. Parce que ce que tu as fait, c'était pour ternir l'image de Gonzalo White. Et maintenant, le criminel, c'est moi. Je n'aurais pas dû te dire quoi que ce soit, Scarlett. Dis-moi ce que nous allons faire, hein? Alors, tu n'as qu'à fermer ta bouche et prétendre que tu ne sais rien, c'est tout. Papa, je ne peux pas faire ça. Est-ce que tu réalises ce que tu me demandes de faire? Nous sommes en train de parler du père de Roberto. Je sais parfaitement de qui on parle. Gonzalo White est un escroc. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais dire à Roberto? Rien. Ou peut-être que tu as l'intention de me trahir. Écoute, Scarlett, par ta faute, cela pourrait me nuire. C'est pour ça que je suis tellement fâchée, papa. C'est précisément pour ça que tu es en train de te mettre la corde au cou. Tu es à deux doigts d'aller en prison. Oui, et si tu ouvres ta bouche? Mais puisque tu es ma fille, tu dois vraiment être de mon côté. De ce fait, je pourrais aller me coucher en paix, Scarlett. Ah, papa, comment peux-tu faire ça? J'ai déjà parlé. Hé! Ah, mon Dieu, pourquoi? Jusqu'où comptes-tu aller?
Qu'est-ce que tu racontes ? Lina, s'il te plaît. Nous savons que tu voulais avoir l'héritage de Béatrice afin d'obtenir la moitié de la fortune de Roberto. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus ? Écoute-moi bien, Miguelito. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux avec ce poste de président. Quant à moi, je n'ai pas à rendre de compte à qui que ce soit. Je veux simplement éclaircir les choses avec toi. Je ne vais pas être ta marionnette. Et je ne vais surtout pas me prêter à tes petits jeux ni te laisser me manipuler comme tu le fais avec les autres. Qu'est-ce que tu racontes ? Laisse-moi faire mon travail, en paix et tranquillement. C'est ce qui est le mieux pour tout le monde. Miguelito, donc tu penses vraiment que tu peux gérer White Textile tout seul sans l'aide de personne ? Et pourquoi pas ? Parce que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à prendre des décisions. Mais ce seront mes décisions. Par exemple, en ce qui concerne la fondation White, je sais qu'il faut la fermer. On ne peut pas continuer à perdre autant. Maintenant, si tu veux coller Fertio dans le bureau de Gonzalo, d'accord ? Je ne suis pas contre. Parfait, continue comme ça. Oui, mais si ton objectif c'est d'en finir avec Roberto, ne compte pas sur moi. Salut, Mariana. Salut, Lina. Écoute, est-ce que tu as déjà parlé à Tony ? C'est juste que chez White Textile, nous avons besoin de lui, de toute urgence. Si c'est possible, nous aimerions qu'il vienne aujourd'hui. Je pense que ce ne sera pas possible. Parce qu'il veut terminer la collection qu'il a conçue et il ne veut pas laisser son travail inachevé. Alors, combien de temps est-ce que cela prendra-t-il ? Bon, je pense que... même dans 3 mois, nous n'aurons pas encore fini de concevoir les pièces. D'accord, mais après ça, Tony peut revenir chez nous ? Lina, pour être honnête avec toi, il me semblait que Tony n'était pas impatient de revenir. Mais attendons et voyons ce qui se passerait. Peut-être qu'il changera d'avis d'ici là. Ah, bien sûr, ma chérie, je comprends. Les artistes sont tellement imprévisibles. Salut, ma chérie, je t'embrasse. Au revoir. D'après ce que je vois, Tony ne veut pas jouer non plus. Miguelito, Tony ? C'est mon problème. Mais il ne devrait pas l'être. Et moi non plus. Lina, tu as eu tout ce que tu voulais, tu as hérité des biens de Béatrice, tu as une grande partie de White Textile. Pourquoi ne pas te détendre et profiter de ce que tu as ? Je n'ai vraiment pas besoin de tes conseils, alors garde-les pour toi. Et ne me contredis pas parce que ça pourrait aller très mal. Ah oui ? Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas dire à Roberto que je suis tombé amoureux de Béatrice ? Que nous lui avons donné de la morphine jusqu'à sa mort ? Parce que je peux aussi dire à Roberto comment tu as fait pour escroquer Gonzalo, ou si tu préfères. Tu n'en serais pas capable. Alors ne me menace pas. Parce que si nous prenons cette route, nous finirons tous les deux en prison. Et nous ne voulons pas ça, n'est-ce pas, Lina ? Mais dans ce cas, détends-toi et profite de tout ce que tu as maintenant. Au lieu d'être amer le reste de ta vie à la recherche de vengeance. Tu as raison, Miguelito. À vrai dire, je suis fatiguée de toute cette situation. C'est précisément pour ça que je veux rétablir ma relation avec Roberto. C'est pourquoi je veux trouver un avocat pour Gonzalo, parce que je veux qu'il sorte de prison. C'est bien. Alors je pense que nous sommes d'accord. Plus de manipulation. Et travaillons en paix, s'il te plaît, Lina. Tu as absolument raison. Laisse écouler les choses naturellement. Tu veux dire ton chauffeur ? Oui, mon chauffeur. Il y a un problème ? Oui, parce que je ne veux pas être ton chauffeur. C'est ce que vous faisiez avant, ou pas ? Vous conduisez bien une voiture pour la Fondation White. Oui, c'est bien ça, mais c'est que... Et en plus, vous conduisez un taxi. Oui, bien sûr, mais cela ne veut pas dire que j'ai un sceau de chauffeur marqué sur mon front, parce que je ne suis pas qu'un simple chauffeur. J'ai un diplôme universitaire. Je suis un philosophe. Écoutez, monsieur Augusto, White Textile n'a pas besoin d'un philosophe. Le seul poste qui est disponible, c'est d'être mon chauffeur. C'est l'offre que Lina vous a offerte. C'est bon, mais je voudrais d'abord en parler directement avec Madame Lina. Écoutez, ce ne sera pas possible. Vous devez me dire si vous acceptez le poste ou si vous ne l'acceptez pas. Et comprenez que nous allons vous payer le double de ce que nous payons normalement à un chauffeur. Ah, mais ça c'est autre chose. Si vous reconnaissez le fait que j'ai des compétences particulières, alors dans ce cas, c'est différent. Eh bien alors ? Alors je vais accepter le poste pour le moment. Mais j'espère que vous allez reconsidérer les choses pour que je puisse avoir une promotion. Et vous n'allez pas dire merci ? Mais pourquoi est-ce que je devrais te remercier, Fernando ? Je sais que tout cela, je dois seulement à Mademoiselle Lina. Alors, excuse-moi. Mon Dieu. L'avocat pense qu'avec les nouvelles preuves qu'ils ont eues, mon père n'a aucune chance. Il va être condamné. Est-ce que ce document est vraiment authentique, Roberto ? Oui, non, ça ne fait aucun doute, car c'est la signature de mon père et le graphologue l'a confirmé. Mais pourquoi mon père s'est mis dans ce pétrin ? Comment a-t-il pu acheter des machines à coudre de contrebande ?
Il n'avait pas besoin de faire quelque chose comme ça. Est-ce que tu doutes de l'innocence de ton père? Je ne sais pas, parce que mon père a tellement changé. Ses problèmes économiques l'ont vraiment mortifié. Non, j'aurais sûrement dû insister pour qu'il accepte mon aide. C'est de ma faute. Ah non, tu ne devrais pas te blâmer pour les problèmes de ton père, Roberto. Mon père, un contrebandier, quelle horreur. Écoute, quoi qu'il arrive, tu sais, tu dois simplement l'aider, Roberto. C'est ton père. Pourquoi tu ne lui as pas parlé, Alina? Pourquoi vous ne trouvez pas quelque chose ensemble? Je veux dire un moyen pour l'aider. Écoute, tu sais, il fait confiance à Alina, il l'écoute. Oui, il écoute un peu trop. Ah, Roberto. Ce qui s'est passé avec toi, Alina, c'était il y a longtemps. Tu dois surmonter cela, tu ne penses pas? En ce moment, elle est peut-être la seule et unique espoir de Gonzalo. Parle-lui, Roberto. Fais-le pour ton père. La 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 la. Ah, je t'aime vraiment beaucoup, Lini, et je suis sincère. Eh bien, je suis désolé. J'avais mis ma carrière en attente, je l'avais complètement abandonnée. Et bien sûr. Et tu penses que tu vas t'épanouir professionnellement dans cet atelier? J'en suis absolument convaincue, ma chère Lini. C'est formidable, il se passe quelque chose avec Mariana au travail. Quand je suis avec elle, je deviens complètement dingue. Cette femme stimule toute ma créativité, tu comprends? Je ne sais pas comment te le dire, mais la vérité, c'est que cette expérience sur le plan créatif et le fait de pouvoir participer à cette nouvelle collection a été incroyable pour moi. Ah, regarde ça. Prenons par exemple ce dessin avant-gardiste. Hein? Ou la petite robe noire que voici. Tu ne penses pas qu'il s'agit tout de même d'une belle évolution dans ma création? Non. Franchement, je ne les aime pas. Eh bien, Mariana les aime et moi aussi d'ailleurs. Je ne sais pas comment te le décrire. C'est comme une sensation de picotement et c'est tellement amusant de travailler ici. Je me sens complètement épanouie. Très bien, Tony. Alors ça veut dire que nous n'allons plus être complices, toi et moi? Ah non! Comment tu peux dire ça? Je n'arrive pas à le croire. Non, 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 Lini. Toi et moi, nous serons toujours les meilleurs amis du monde. À partir de maintenant, je serai bien évidemment plus concentré sur ma collection, mes créations et surtout ce que j'aime. Tu sais, le plus important, c'est que je suis avant tout un artiste. C'est très clair pour moi. Ah, Lini, cesse d'être si méchante. Dis-moi, pourquoi tu es comme ça? Tu as déjà vraiment tout ce dont tu rêvais et tout ce que tu voulais dans la vie. Tu as de l'argent, du pouvoir, de la beauté. Tu as même un beau gosse à tes côtés. Même si je pense que Vertio restera toujours avec toi. Bien sûr. Vertio sera avec moi tant que je le voudrais. Tu vois ce que nous avons fait, tu es sa petite amie. Nous devrions être complètement heureux. Viens me faire un câlin. Fais-moi un câlin. Ah, je suis ravie. Mais toi, non? Oui. Oui, vraiment, je suis très heureuse. J'ai réalisé que j'avais tout ce dont je rêvais. Je suis ravie. Tu vois maintenant, et d'ailleurs, tu le mérites, ma chérie, parce que tu es si belle, gentille, charmante et adorable, ma Lunice chérie. Fais-moi un autre câlin. Ah, parce que je t'aime tellement, tellement. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est la carte du magasin où je suis allée acheter les bottes. Je ne sais pas quand je pourrai retourner à Barcelone. Ah, s'il te plaît. Scarlett, tu sais, quand tu veux vraiment, tu peux. C'est juste un petit détail. Tu dois convaincre Roberto, voilà. Ce n'est pas si facile. Ce n'est pas facile, je veux dire encore moins avec la situation de Gonzalo, ah, si écoute, tu savais. Écoute, les problèmes de Gonzalo sont simples à résoudre. Tout ce qu'il faut, c'est surtout que Gonzalo se confesse. Et il aura une réduction de peine. Je pense qu'il n'aura même pas à faire de la prison. Tu penses? Non, je ne le pense pas. Je suis complètement sûre et certaine. Gonzalo avoue tout. Sa coopération lui vaudra alors une réduction de peine. Ainsi, il n'aura même pas à aller en prison parce qu'il sera tout simplement assigné à son domicile. Et pendant ce temps, tu pourras voyager en compagnie de Roberto pour te détendre et réfléchir à d'autres choses. Ah, Scarlett, tu ne penses pas que ce serait une occasion rêvée pour renforcer ta relation avec Roberto? En fait, si. Je ne sais pas. Peut-être bien, mais pour te dire la vérité, depuis que j'ai commencé à sortir avec lui, je n'ai pas eu un seul moment tranquille avec lui. Barcelone, Paris, Milan, le monde est à toi, Scarlett. Roberto a de l'argent pour tout. Mais en ce moment, il est tellement inquiet avec tout ce qui se passe chez White Textile que... Ah, et ne t'inquiète pas, c'est Miguel Angel qui est à la tête de l'entreprise. Et je suis ici pour tout superviser. Alors dis à Roberto de se calmer. Essaie de le convaincre que ce voyage est la meilleure chose pour vous deux. Et il comprendra. Crois-moi, Roberto, Lina a une autre attitude. Tu sais ce que je pense? Que la mort de Béatrice l'a affectée. Je ne sais pas. Je ne crois en rien venant de Lina. Fais attention. Oui, je sais, mais... Mais non, elle a changé. Écoute, Lina est une personne très intelligente. Elle a réalisé qu'il était temps et qu'elle devrait se mettre à respecter les autres pour pouvoir travailler en équipe. Je ne sais pas.
Mais tu devrais faire attention car être président, ça implique beaucoup de responsabilités. Car toutes les décisions que tu prendras, ça va affecter beaucoup de gens. Oui, je sais. C'est précisément de ça que je voulais te parler. J'y ai pensé et je vais fermer la Fondation White. Quoi ? Tu m'as donné la liberté de prendre des décisions, c'est ce que j'essaie de faire. D'accord, mais ce n'est pas une décision qui peut être prise à la légère. Oui, je sais, Roberto. Écoute, j'ai parcouru tous les chiffres. La Fondation White est le talon d'Achille pour cette entreprise. Et nous ne pouvons plus nous permettre d'être dans le rouge. Mais c'est le travail de mon père, tu ne peux pas le lui prendre. Ton père a autre chose à faire, mec. Et s'il va urbaniser la ferme, il en aura assez sur les bras. Je ne sais plus. C'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup parce que j'ai parlé à Arturo, son partenaire dans le projet dans l'urbanisation lui aussi. Il a des problèmes. Raison de plus pour qu'il se consacre à ça, tu ne penses pas ? Parce que je ne vois pas ton père sortir de détention et revenir ici. Oui. C'est vrai, oui. Mon père doit avoir un changement de vie. Et peut-être que la Fondation est arrivée à sa fin. Eh bien, je vois que tu prends vraiment ton nouveau rôle au sérieux. Bon, c'était ça l'idée, n'est-ce pas ? Bien que... je dois avouer que je me sens un peu seul. Mais je m'accroche. Bien, mais tu peux toujours nommer un autre conseiller. Non, avec Fertio, c'est déjà assez. Non, non. Fertio travaille pour Lina et pas pour toi. Toi, tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir inconditionnellement. Bon, je ne vois pas quelqu'un d'autre. Mais moi, oui. Je t'assure que je connais bien une personne qui pourra vraiment être le parfait homologue pour Fertio. Écoute, je suis rentrée au pays et j'ai besoin d'un emploi immédiatement. Ce serait encore mieux si c'était avec toi, bien sûr. Ce ne serait pas directement avec moi. C'est que je devais nommer un nouveau président parce que j'ai eu des problèmes avec Lina Durand, la nouvelle associée. Alors, il y a un nouveau président qui s'appelle Miguel Angel Lozano. Je pense que tu le connais. Oui, oui, Miguel Angel et moi, nous nous sommes vus une fois. Quand nous sommes allés à la côte et que tu as dit que tu étais Bobby Casablanca. Oui, c'était il y a très longtemps. J'en ai un bon souvenir. Il y a des choses que je préférerais oublier. D'accord, et en quoi consisterait mon travail ? Tu vas débuter en tant que consultant dans le domaine de la conception, mais globalement, je veux surtout que tu supervises un autre conseiller et que tu surveilles toutes les activités en général dans l'entreprise. Très bien. Et qui est l'autre conseiller ? Je le connais ? Je crois que oui. Il s'appelle Fernando León. Quoi ? Il y a un problème ? Roberto, tu sais que je déteste Fernando. Ce type est vraiment cupide, un véritable arriviste. Très bien, encore mieux, beaucoup plus facile à gérer alors. Roberto, tu me fais entrer dans l'entreprise pour que je puisse me venger de Fernando ? Non, 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 je n'ai pas besoin de toi pour que tu m'aides, mais si tu as un quelconque problème avec Fernando et que tu décides de ne pas accepter mon offre finale, je te comprendrai parfaitement. Non, Roberto, pourquoi pas, je veux bien t'aider et je vais le faire. Fernando n'a aucune idée de ce qu'il attend chez White Textile avec moi. C'est ma chance pour lui donner une bonne leçon. Bien, mais ne dépasse pas les limites. Fernando est certainement un peu idiot, mais ce n'est vraiment pas une mauvaise personne. Le plus important, c'est de garder un œil sur mes intérêts. Parce que je ne veux surtout pas que Fertio et Lina finissent par ruiner mon entreprise. Mm-hmm. Très bien. Oui. Les engager. Adri, la Fondation White n'est plus. Est-ce qu'ils le ferment ? Oui, je suis très sérieux. La Fondation White est en cours de liquidation. Les locaux seront utilisés pour autre chose. Et nous allons déplacer tout le personnel. Voyons, Fernando, qui a pris cette décision ? C'est le président, bien sûr. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je vais en parler à Miguel Adri, Angel. Comment Adri, ça ? Adri, attends une minute. Miguel Angel ne ça peut va. Pas être dérangé par ce problème. Je sais que la Fondation White est importante pour toi, mais ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas au chômage. Miguel Angel a donné l'ordre de te reloger. Tu es sérieux ? Et pour faire quoi, Fertio, hein ? Mon assistante, Adri. Ton assiste... Écoute. C'est incroyable. Tu n'aimes pas ? Hein ? Je n'aime pas que toutes les couturières soient laissées sans emploi, Fernando. Parce que nous avons une responsabilité envers ces personnes. Elles n'ont même pas récupéré les machines à coudre qui leur ont été confisquées. Tu comprends ? Nous allons trouver une solution pour cela au fil du temps, Adri. Au fil du temps ? Au fil du temps ? Quand ? Mais quand ? Toutes ces femmes ont des familles, Fertio. Elles ont des familles et elles doivent faire les courses. Tu croyais quoi ? Dis-moi quelque chose. Tu as oublié ce que c'est que d'être pauvre. Adri, détends-toi un peu. N'oublie surtout pas que je suis ton patron. Écoute, peu importe. Fernando, nous partons. Nous avons une réunion avec Roberto et Miguel Angel. Adri, je suis désolée, mais c'est urgent. Ne t'inquiète pas, Lina. Ici, tout est urgent, sauf ce qui est vraiment important. Ouch. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle n'a pas aimé la fermeture de la Fondation. Ah, c'est dommage. Je pense qu'elle va moins aimer quand elle découvrira qu'elle n'a pas de travail.
Non, mais Adri va continuer à travailler. Miguel Angel a donné l'ordre de la reloger. Adri s'en va. Lina, je viens de lui dire d'être mon assistante. Et alors? Viens parce que Roberto et Miguel Angel sont en train de nous attendre. Dépêche-toi. Je veux que le compte rendu montre que je ne suis pas d'accord avec la liquidation de la Fondation Wright. C'est une décision prise par le président. Tu as déjà garanti que Miguel Angel serait autonome. Roberto soutient ma décision. Le fait est qu'il pense que cela pourrait être temporaire. Que l'année prochaine, en fonction du résultat financier, nous pourrons revoir le sujet et rouvrir les programmes de la Fondation. Pour le moment, l'important, c'est d'augmenter les ventes. J'ai parlé au vice-président commercial et nous sommes en train d'élaborer de nouvelles stratégies. La semaine prochaine, je vais t'envoyer un rapport. Maintenant que l'industrie du sport se porte bien, c'est sûr que les chiffres du premier trimestre devraient augmenter. D'accord. Autre chose? Oui. J'aimerais faire une proposition. Embaucher un autre consultant. Un autre? Oui. Tu as nommé Fernando comme ton consultant et je pense que Miguel a parfaitement le droit d'en nommer un qui soit très proche de lui. Et que ferait ce consultant? Nous aider dans le département de création. Car évidemment, tu es là pour la partie administrative. Et cela n'a aucun sens de dupliquer les postes. Bien, pour moi, il n'y a pas de problème. Tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, les consultants n'ont pas de pouvoir effectif. Ils ne sont pas au conseil. Tu as des nouvelles de mon père? Oui, j'ai parlé avec lui. Et? En fait, je n'ai pas réussi à le convaincre de plaider coupable. Est-ce que tu veux que mon père plaide coupable? Roberto, c'est son unique issue. Parce que s'il plaide coupable, il pourra conclure un marché avec le tribunal. Alors dis-moi, qui penses-tu nommer comme ton nouveau consultant? Je pensais plutôt à nommer une consultante. Une femme consultante? Oui, pourquoi? Tu as quelque chose contre les femmes? Non, au contraire. D'ailleurs, j'adore travailler avec des femmes. Oui, je le vois bien. Tu es très heureux avec Lina. Écoute, Miguel Angel, entre Lina et moi, il n'y a rien. Je veux dire que tu es très content de retrouver Lina au boulot. Ouais. Allô? Oui, dites-lui d'entrer, merci. En parlant de femme, voilà ma consultante qui arrive. Entre. Salut. Comment tu vas? Bien, et toi? Je suppose que tu te souviens de Lorena. Alors, tu es surpris? Mon père ne pourra surtout pas plaider coupable d'un délit qu'il n'a en aucun cas commis. Et comment tu sais qu'il ne l'a pas commis? Roberto, ne me regarde pas comme ça. Je donnerai toute ma vie entière pour que Gonzalo soit innocent, mais il ne l'est pas. Tu sais que le procureur tient un document qui prouve que Gonzalo savait que ses machines à coudre étaient entrées illégalement dans le pays comme contrebande. Et de plus, il avait demandé une commission au vendeur. Le document pourrait être falsifié. Non, il est authentique. C'est pourquoi Gonzalo est en prison en ce moment. Et nous devons le comprendre. Mon père ne va jamais, jamais accepter ça. C'est ça le problème. Mais nous devons absolument le convaincre. Parce que autrement, Gonzalo restera en prison le reste de ses... Je ne sais pas, 5, 6, 7 années, tu t'imagines? Ah, Roberto, nous devons faire quelque chose en gardant à l'esprit que ton père était un homme honnête dans le passé. En tenant compte de son âge et certainement si ton père passe un accord avec le tribunal, ils lui permettront d'être assigné à résidence. Je n'arrive toujours pas à croire que mon père parviendrait à commettre une si grave erreur, d'autant plus qu'il est très âgé. Je sais. Quand les gens que nous aimons se mettent à faire des erreurs, ça fait très mal, mais nous devons au moins essayer de les aider. Et c'est précisément pour cela que nous devons tous deux convaincre Gonzalo de plaider coupable. Il n'y a pas d'autre issue. Aïe. Le monde est tellement petit, Fercho, qu'on finit toujours par se retrouver. Eh bien, je ne pensais pas te revoir de si tôt. Regarde-nous. On travaille ensemble. Je sais que ça va être une très belle expérience. Ben, j'espère que tu n'as aucun ressentiment envers moi. Ah non, aucun. Les gens le ressentent surtout quand ils vont mal. Quant à moi, je vais beaucoup mieux. Et apparemment, toi aussi. Regarde-toi, tu es passé d'un simple vendeur à un consultant chez White Textile. Ne te laisse pas berner, ce n'est pas aussi génial que cela semble être. Ah, tu dis ça parce que tu as perdu Scarlett. Oui, j'ai appris qu'elle est avec Roberto. Mais non. Ne t'inquiète pas, il n'y avait rien que tu aurais pu faire. La compétition avec Roberto est impossible. Tu n'es pas un millionnaire. Ah, ne t'énerve pas.
Je ne me moquais pas de toi, je te remontais le moral. Non, si tu voulais te moquer de moi, c'est que je le mérite. Je sais que je me suis mal comporté avec toi. Non, Fertio, rien de tout ça. Perdons pas de temps à parler de choses qui n'en valent pas la peine. Concentrons-nous plutôt sur le présent, tu veux ? Nous allons bien nous entendre. Espérons. Je te le garantis, Fertio. Cette fois, les choses vont se passer exactement comme je l'ai espéré. D'accord. Mon père ne m'écoutera pas, ne me parlera pas, ne veut rien savoir de moi. Et je ne peux vraiment rien faire. Si toi, tu n'arrives vraiment pas à le convaincre de plaider coupable, bon, alors personne ne pourra le faire. Je sais comment le convaincre. Je ne veux même pas imaginer comment. Roberto, pourquoi est-ce que tu es si agressif ? Tout ce que je veux faire, c'est aider ton père, tu ne comprends pas ? D'accord, très bien. Mais alors, comment est-ce que tu vas faire pour le convaincre de plaider coupable ? Je pense que Gonzalo a besoin d'une motivation pour pouvoir sortir de prison. Peut-être que si nous décidons enfin de nous marier... Tu vas vraiment lui faire croire que tu vas te marier avec lui ? Qu'est-ce que tu en penses ? Mais il me semble que ce serait une motivation très, très puissante. Mais en même temps, ce serait aussi un très gros mensonge. Ça ne doit pas nécessairement être un gros mensonge. Comment ça? Est-ce que tu es prêt à te marier avec mon père? Mais dis-moi, tu l'aimes? Non. Non, mais malheureusement, après tout ce qui s'est passé récemment, je n'aime plus Gonzalo. Je n'ai plus confiance en lui. Mais je me soucie de lui. Et je ne peux plus supporter de le voir enfermé, sachant qu'il est en train de passer par une terrible épreuve. Et pour éviter qu'il ne souffre, tu es disposée à te marier avec lui? Et pourquoi un tel sacrifice? J'ai vécu des choses assez horribles ces derniers temps. Il y a l'échec de mon mariage, puis la mort de Béatrice, et j'ai réalisé qu'une vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais surtout que la haine et le ressentiment ne mènent nulle part. Roberto, je suis fatiguée de voir les gens que j'aime souffrir. Et je te jure que s'il y a un quelconque moyen pour sauver Gonzalo et le faire sortir de prison, eh bien je suis prête à le faire, je m'en fiche. Mais pour cela, nous devons prendre la décision ensemble. Parce que j'ai besoin de ton soutien. Je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment confus. Écoute, Adri, arrête et détends-toi. Non, Mariana, ne t'inquiète pas, nous avions déjà pensé à implanter un autre mode de fonctionnement dans l'atelier pour que Gonzalo puisse gérer la fondation. Et même si les femmes perdent leur emploi, je peux leur donner du travail ici. Bien sûr, Mariana, mais ces femmes n'ont plus de machine à coudre pour pouvoir continuer à travailler. Elles n'ont pas non plus d'argent pour en acheter de nouvelles. Alors peut-être que la fondation leur versera une indemnité pour les dommages qu'elles ont subis, causés par la fermeture. Écoute, sincèrement, je ne peux vraiment pas assumer les fardeaux économiques de la fondation. Oui, je sais. Mais... je peux leur donner de nouvelles machines à coudre. Alors vas-y, parle-leur et fais une liste du nombre de machines dont elles ont besoin. Tu es sérieuse? Oui. Ah, Mariana, c'est parfait. Scarlett m'a dit que tu pouvais résoudre tous les problèmes. Elle te connaît très bien, Mariana. Oui. En fait, nous nous connaissons très bien toutes les deux. Écoute, et avec tout ce qui se passe entre Scarlett et Roberto, comment ça se passe? Est-ce que vous vous chamaillez ou quoi? Bon, je demande parce que ça doit être une situation très difficile pour vous deux, n'est-ce pas? Et entre nous, parce que vous êtes deux sœurs. Finalement, tu te retrouves toute seule bon. Depuis que Scarlett est avec Roberto et qu'ils sont partis en voyage. Non. Arrête. C'est juste que vous êtes mes deux meilleures amies. Et je ne veux surtout pas que vous vous battiez à cause de Roberto. Adri, tais-toi. Ah, Mariana, mais non, est-ce que tu es sourde? Je t'ai dit que je ne veux plus que tu me parles de ce sujet. S'il te plaît. Si tu veux continuer à être mon amie, je t'en prie, ne me parle plus de ça. D'accord? C'est bon, j'ai compris, pardon. Ah, Fertio, tout est en train de fonctionner à merveille. Je ne pense pas que Gonzalo reviendra à White Textile et Roberto est de plus en plus seul. Et dans peu de temps, je pense que cette société sera rien qu'à nous. Juste la nôtre? Ou juste la tienne? Voyons, quelle est la différence? Énorme, Lina! Ce qui est à toi, est à toi! Et tu ne peux pas partager! Ah, mais alors tu insinues qu'en fait, je suis une personne égoïste? Écoute, Lina, ce que je suis en train de te dire, c'est que Juan Carlos et Mariana m'ont chassé de l'atelier Béatrice Durand. Et je suis juste un consultant sans voix ni droit de vote. Ah, il faut juste que tu sois patient, je te l'ai dit des milliers de fois. En un rien de temps, tu vas devenir le nouveau président de White Textile, tu verras. Oh. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas.
Pourquoi est-ce que tu dois être si pessimiste, hein? Sans doute parce que Roberto a toujours le pouvoir dans cette entreprise, et la preuve c'est qu'il vient d'embaucher une consultante pour me contrôler. Une consultante? Oui, une consultante. Et? Non, rien du tout. Sauf qu'elle va être ici tout le temps pour me contrôler. C'est l'impression qu'elle m'a donnée. Ah, mon chéri, mais détends-toi. Je t'assure que tu vas remporter ce combat. Et surtout, rappelle-toi que tu peux compter sur mon soutien. Ne sois pas si grincheux. Toi et moi, nous sommes une équipe. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh. Il ne se passe rien. Tu sais, ils sont en train de convaincre Gonzalo de plaider coupable, papa. C'est surtout comme ça que les choses devraient être, non? Ce type doit cesser de prétendre qu'il est honnête et enfin accepter qu'il est un escroc. Mais il se peut qu'il ne soit pas un escroc. Bien sûr qu'il l'est. Papa, nous ne le savons pas à coup sûr. La seule chose que nous savons avec certitude, c'est que tu as falsifié un élément de preuve pour prouver sa culpabilité. Arrête, assez. Arrête, Scarlett. Dis, tu ne ressens pas un peu... Ne serait-ce qu'un tout petit peu de remords, papa, voyons. Tu as souillé la réputation de Gonzalo White en apportant cette preuve au procureur. Écoute, Scarlett, est-ce que tu t'attends à ce que je ressente de la pitié pour Gonzalo White? Non, bien au contraire. Pour moi, il va pourrir en prison parce que je sais qu'il est le coupable. Attends, si vraiment il décide de plaider coupable, Miolo, il verra sa peine réduite. Dans ce cas, il pourrait même être assigné à résidence. Mais non, madame! Je ne vais surtout pas permettre que ce type s'en tire comme ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Falsifier un autre document? Et si tu veux, j'irai chercher une feuille de papier pour toi, papa. Non, continue comme ça. Continue comme ça et ça ira mal. Vraiment. Arrête, très mal. Assez, ça suffit, Scarlett. Et tu ne vas pas commencer à me donner des ordres à ton âge? Non, jamais de la vie. J'en ai par-dessus la tête avec les soucis de ta sœur. Et en plus, maintenant, toi, tu veux en rajouter. Arrête, et en effet... ça suffit. J'ai parlé. Oui, c'est ça, tu veux parler. Salut, Scarlett. Salut, Mariana. Et alors? C'est un vrai miracle de te voir ici. Tu vas aussi faire la morale pour être resté chez Roberto. Non, je ne vais pas te faire la morale. Je vais te laisser seule avec ta conscience. Avec quelle conscience? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais déjà que je suis majeure. Pour ton information, je fais ce que je veux de ma vie. Et je n'ai pas besoin d'avoir bonne conscience pour rien. Ah, tu ne vas pas recommencer, s'il te plaît. Je rentre à la maison pour me reposer, pas pour me battre, mais lâche-moi. Bon, lâche-moi, toi, lâche-moi, alors. Repose-toi et tu sais quoi? Arrêtons de parler. C'est ça ta solution? De ne plus me parler? Scarlett, tu sais que nous sommes une très petite famille. Alors nous devons rester unis. Je connais des familles qui ne se parlent pas et ne sont pas proches, alors ce n'est pas si grave. Mais ce n'est pas notre cas. Nous nous aimons beaucoup et c'est ça qui fait notre force, Scarlett. Regarde-moi quand je te parle. S'il te plaît. Nous ne pouvons vraiment pas permettre que tout ce qui se passe détruise notre relation. Nous ne pouvons pas non plus passer notre vie à nous disputer encore et encore, à nous battre, à nous lancer continuellement des injures. Nous nous aimons. Nous sommes des sœurs, des super sœurs. Est-ce que tu as oublié? Non. Et alors? Je sais. Mais c'est vraiment difficile, Mariana. Je suis très heureuse avec Roberto, Marie, et... Ce qui se passe, c'est que j'essaye de ne pas te le montrer. Parce que tu vois... Juste en te disant comment ça se passe, ça te fait du mal. Et j'essaye de te le cacher, mais... Mais à force de cacher des choses comme ça tout le temps, ça me stresse, Mariana, ça me stresse. Et résultat, je finis par m'en prendre à toi. C'est que je sens que je ne peux plus vraiment te parler des choses qui m'arrivent. Je sens que tu n'es pas contente. Pour mon bonheur, ou je me trompe. Oui, tu as raison. Je ne peux pas être heureuse parce que... Tu es avec Roberto. Tu vois? Tu vois?
Mais alors quoi? Nous n'allons pas nous asseoir et nous rendre visite comme si nous étions des étrangers. Non, de quoi parlons-nous alors, Mariana? En fait, je ne sais pas, nous pourrions parler des autres choses importantes dans nos vies, non? Comme le travail. Nous pourrions parler de... Voilà, du travail. Et du travail. Vaille, du travail, du travail. Du travail, du travail, du travail. Et du travail. Et tu sais quoi d'autre? Devine. Du travail. J'ai besoin que tu surveilles Miguel Angel de très près pour moi. J'ai l'impression qu'il prend cette chose trop au sérieux et qu'il pense vraiment pouvoir diriger toutes les entreprises White. D'un autre côté, je trouve cela vraiment très ennuyeux que tu ne sois plus chez Béatrice Durand. Parce que quand tu étais là-bas, au moins nous avions un œil sur tout ce qui se passait, mais maintenant, je ne peux plus compter sur Tony. Parce qu'apparemment, il aime travailler là-bas. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, oui, bien sûr. Tu disais quoi? Juste ce dont j'avais besoin. Que toi aussi, tu me tournes le dos. Ah, non, 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 je te tourne pas le dos. Ah non? Depuis que tu es arrivé, tu es perdu dans tes pensées. Comme si tu étais sur une autre planète. Je suis sur la planète des pauvres, Lina. Oh, Fertio, ne sois pas aussi susceptible. Ne me dis pas que tu es comme ça à cause de ce que j'ai dit. Mon chéri, ne sois pas si capricieux. Est-ce que tu sais que tu me rends dingue? Lina, il est vraiment tard et... je devrais y aller maintenant. Non, au contraire, je pense que c'est bien mieux si tu restes. Ouais. Je suis fatigué, j'ai passé une très longue journée, alors... on en parlera après, repose-toi.